Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Les amis, j'aimerais que l'on s'entretienne un peu autour de ces sujets qui va pratiquement dans tous les sens. Vous le savez très bien que c'est vraiment pas dans mes habitudes. Je ne réagis pas à des accusations, encore moins des provocations. Très généralement, c'est que Natikaka les choses allaient comme ça peut aller. Je n'ai jamais réagi à une quelconque provocation, encore un quelconque sujet, mouton à lobby, vrai ou faux. Dans mes habitudes, généralement, je ne réagis pas. Mais aujourd'hui, si je me décide de venir vers vous, c'est tout simplement parce que j'ai comme l'impression que le débat commence à sortir un peu de son cadre. Vous voyez? Le débat commence à sortir de son cadre. Et j'ai comme l'impression que c'est maintenant Batumusus, ou pire même que nous, c'est les innocents qui commencent à souffrir un peu, quoi. À souffrir, qui sont taxés et même accusés de tout. Et ça, c'est pas juste. Vous voyez? C'est vraiment pas juste. Je ne sais pas par où je vais commencer. Je pense que ce sont bandelibino, les solo, je crois que je risque de faire un live de 3 heures alors que je n'en ai pas l'intention, maximum 1 heure. Je risque de faire un long live et finalement qui finira pas. Parce que les choses à vous dire, ce n'est pas ça qui manque. J'en ai mais énormément avec beaucoup de preuves. Vous voyez? Alors, je crois que j'aimerais un peu éclairer l'opinion par rapport à 2-3 trucs. Vous le savez très bien que je suis dans une période de prière et c'est ça que j'essaie de faire. Je suis au pied du Seigneur, mais je crois que je ne pêche pas. Je ne pêche pas si je dois vous parler. Je crois que je ne pêche pas en tout cas. Vous constaterez que les notifications sont désactivées tout simplement parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. Le maximum que je peux vous demander, c'est peut-être aimer les lives, faire des cœurs. Mais quant à écrire et consort, je n'ai pas voulu que cela soit le cas pour ce live. Parce que nous ne sommes pas en train de consoler là, vous réagissez, on parle. Non, non. Je souhaiterais beaucoup plus que vous m'écoutiez. Vous voyez ça. Déjà, je suis content que vous êtes très nombreux à être connectés. Je voudrais parler un peu de cette histoire avec la mère de mes enfants. Vous le savez très bien que c'est depuis 2018 qu'elle est partie de Kinshasa. En 2019, je suis allé aux États-Unis pour la première fois que je voyais les enfants après qu'ils étaient déjà partis, environ un an après. Et j'étais présenté d'un monsieur irresponsable, comme vous le savez. Et, dans l'entretemps, un monsieur irresponsable qui ne savait pas où vivaient ses enfants, qui ne pouvait pas entrer en contact avec ses enfants. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver Ben Laden, mais on ne pouvait jamais savoir où étaient mes enfants. J'ai pu entrer en contact avec plusieurs détectives et consorts pour essayer de mettre la main sur les enfants. Et surtout quand j'ai pris l'option d'aller en justice, il fallait l'adresse physique. On ne convoque jamais quelqu'un aux États-Unis ou au Texas, surtout la loi est telle qu'on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de travail, on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de l'église, chez son ami et consort, il faut une adresse physique. Même quand la personne habiterait chez un des parents ou encore des communs, vous comprenez, ou un ami, une amie, il faut avoir cette adresse-là. Justement, c'est ça qui constitue l'adresse physique. Alors, on ne pouvait pas trouver l'adresse physique de la mère de mes enfants jusqu'à ce qu'un jour, Tofandi, on constate qu'elle est allée voler dans un shop, c'est dealer pour ceux qui savent, dealers, pour vous qui êtes aux États-Unis, vous connaissez bien, dealer de Melbourne à Hearst. C'est justement là qu'elle a volé quelques articles qui variaient entre 500 et 750 dollars. On voit ça sur les nets, sous la page officielle de. Les sites officiels de Tarrant County Jail. Parce qu'elle avait été arrêtée, elle a fait 2 jours, des trucs comme ça. Alors, c'est quand cet article sort finalement sur le net que nous mettrons la main sur son adresse. Et finalement, ça nous a permis de
ça a permis justement à la justice de pouvoir la convoquer. On est allé le jour où on n'arrivait pas à mettre la main sur lui, jusqu'à ce qu'on l'a eu, on l'a servi elle-même à main propre. Elle a répondu. Et ce caisse a commencé, c'est-à-dire le procès a commencé. Tokei nango, jusqu'à ce que je vais avoir la garde des enfants. Mais je souligne que c'était une garde temporaire. Pourquoi? Parce que ça donne justement la possibilité à la partie Oyo et autres en faveur n'a été, s'il y a un recours à faire, à ça la recours. Et dans l'entretemps, ça c'était le 5. C'est d'abord bien avant cela, ça a été reporté pour le 5 janvier. Et pendant tout ce temps, j'étais aux États-Unis. Ceux qui peuvent le savoir le savent que j'avais mis beaucoup de temps aux États-Unis parce que les enfants d'abord étaient abandonnés presque à eux-mêmes. C'était vraiment, je suis parti vraiment en catastrophe. Alors, j'ai mis beaucoup de temps aux États-Unis, le temps de vraiment rester avec eux, faire davantage le corps et puis créer une bonne ambiance autour de nous. Chose qui a été faite, Toticali, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on me donne cette garde. Pour beaucoup d'autres personnes, bah, le va qui non, bah, c'est les affaux, les alokuta, les amakamalokuta, maïkakosi, à l'exception Mukanda et consorts. Je n'avais jamais menti parce que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes de mentir. C'est cette garde-là, justement, qui m'a permis de devenir responsable numéro un des enfants à l'école. Parce que désormais, depuis là, rien ne pouvait passer par quelqu'un d'autre que par moi. Si l'enfant est malade, s'il y a des frais à faire, s'il y a quelque chose, si les écoles doivent communiquer, c'est avec moi qu'ils devaient communiquer. Et c'est ce même ordre de la cour qui a permis à ce que, permettez, j'ai ces deux passeports que vous voyez. Ce sont les passeports américains des enfants, de Shaddai et de Zion. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, un seul parent ne peut pas se permettre de faire le passeport des enfants sans l'aval de l'autre. Mais cet ordre-là de la cour m'avait permis, comme j'avais les enfants, de façon temporaire bien sûr, mais c'était un full custody, mais temporaire, ça m'a permis à faire les deux passeports des enfants. Je ne sais pas si vous voulez voir, jusqu'ici peut-être que je suis en train de mentir, vous voulez voir les photos de Zion et de Shaddai. Alors, on en est où même encore? Et finalement, et quand on reviendra pour une prochaine audience, au moment de trancher la chose, la juge nous a donné un nouveau ordre de la cour, cette fois-ci-là avec une garde partagée. Et dans cet ordre, il était dit que chacun des parents devait garder les parents une semaine après une autre, une semaine après une autre. Je m'en étais un peu plaint de constater que finalement, ça déséquilibre même les enfants. Je me suis dit, mais est-ce que cet ordre, c'est vraiment, vraiment bien fait ou quoi? J'avais trouvé ça vraiment pas satisfaisant, mais il fallait faire avec. Mais tout de suite après, je suis tombé malade. Je suis tombé malade et après, je suis rentré au Congo. Alors, bien avant que je ne rentre, j'étais avec les enfants quand c'était mon tour. Et par deux fois, quand je ne suis pas là, c'est mon frère, Junior Kalonji, qui les récupère. Et d'ailleurs, même les quelques fois où je pouvais être absent, ils sont avec mon frère, en attendant que les moments de les amener à Kinshasa viennent. Parce que finalement, leur adresse est déjà changée pour Kinshasa. À la cour, bien sûr. Alors, il les a pris en mon absence, Alexis Nabamotan, et je suis avec eux au téléphone, le temps que j'arrivais. Normalement, je serais même déjà là-bas, cette semaine. Et il s'est fait que, cette semaine qui commence, ça allait être mon tour, et comme le dernier jour à l'école, c'est le vendredi, c'est-à-dire c'était hier, je devais normalement prendre les enfants. Mais qui devait le faire, c'est Junior, bien sûr, mon frère. Il s'est fait que son épouse était à terme, était évacuée à l'hôpital. D'ailleurs, elle a donné naissance à
à une jolie petite fille, dans des conditions très compliquées en tout cas. Et quand j'ignore, un jour avant d'aller passer par l'école, à signaler à l'école, que je ne serais pas en mesure, quand il me l'a dit, je dis ok, tu devras signaler aussi à l'école. Je ne serais pas en mesure de prendre les enfants cette semaine. Par contre, si elles peuvent même, ils peuvent même rester avec leur maman, ils sont dans les bonnes mains, ce n'est pas un problème. Et l'école apprendra à Junior que d'ailleurs, nous ne serons pas d'accord que Shaddai revienne à l'école demain parce que il a une, comment on appelle ça? C'est là, le, je pense que c'est une maladie de la conjonctivite. Alors, vous savez, Apollo, et l'école a suggéré que il faut protéger les autres enfants, c'est, vous savez, c'est contagieux. Il faut moins d'enfants dans l'andaku karoma et voilà. Alors, c'est la raison qui a fait aussi que, comme ils sont avec leur maman et que moi, je ne suis pas sur place, quoi de normal que de garder les enfants, trouver un moyen de les amener, c'est pas moi, à l'hôpital, administrer un traitement déjà le plus rapidement possible. Mais cela va poser problème. Va poser problème jusqu'à ce que plus tard, parce que moi, je dois aussi vous avouer quelque chose. Parce que je ne suis pas aussi trop sur les réseaux sociaux que vous les pensez. Moi, sincèrement, c'est une poste et je suis parti. Je poste les histoires de l'église et après, on s'en va. Rester sur les réseaux sociaux et tout ça, comme vous pensez, ce n'est pas tellement mon truc. Beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, je suis informé comme vous tous. Je suis souvent informé. J'ai des gens autour de moi qui, apparemment, bah là, dans les réseaux sociaux, voilà, pasteur, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et à certaines autres personnes, je m'en ai déjà dit, arrêtez-moi ces histoires, j'en ai pas besoin. Mais jusqu'à ce que c'est des insultes, un live a été démarré hier par la mère de mes enfants. Il a dit des choses et des choses et des choses et des choses. Jusqu'à ce qu'elle revienne aujourd'hui dans un autre où elle va encore dire des choses, des soi-disant vérités d'après elle, des choses et des choses. Réfléchissons un peu. Comment, à cause du fait que j'ai manqué à un rendez-vous, de prendre les enfants à mon tour, de prendre les enfants tous au rendez-vous bon, ça peut constituer tout ce que vous avez constaté. Et ce frère, ce même monsieur là, Junior et sa femme, qui sont traités des inconnus. Et vous, elle sait très bien, la mère de mes enfants, elle sait très bien que je ne suis pas aux États-Unis, je suis à Kinshasa. Quoi de normal que de garder carrément les enfants? Et surtout que l'aîné, le premier, est malade. Comment on veut que les enfants aillent chez un inconnu? Chez les inconnus, alors que toi-même, la mère des enfants, tu es sur place. Et quand ce n'est pas le cas, on doit commencer à insulter. On doit commencer à dire n'importe quoi, et même sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui nous déchirent. Bien aimé, écoutez un peu. Je suis resté avec ces enfants pendant près d'un an. Tout le temps qu'elle a passé à Kinshasa. Elle a passé à Kinshasa, tous ces temps à Kinshasa. C'est moi qui étais avec les enfants. Et quand je pouvais bouger un peu, revenir pour l'église, c'est Junior, aujourd'hui inconnu, qui reste avec les enfants et son épouse. Et aujourd'hui, il s'est fait un problème, comme quoi, on dit, les enfants, Balobi, que la tantine qui nous lave, nous toucher à des parties intimes. Vous voyez comment, jusqu'où le mensonge veut aller? Je vous dis quelque chose. Parce que généralement, quand on ment, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Cette dame-là, la tantine en question, je vous ai dit qu'elle a donné naissance hier d'une jolie petite fille. Sa grossesse, c'était une grossesse un peu... avec beaucoup de tourments. Je dois vous l'avouer. On ne parle pas du couple, Yabatou Awa, mais je suis obligé de vous le dire. Le médecin l'avait interdit, mouvement ne soit compliqué, ce qui fait que elle ne préparait pas, elle ne faisait pas, elle n'était pas trop au ménage, mais ça l'a pas si, parce que c'était une grossesse avec beaucoup de tumultes. Et ça fait que ce n'est pas la tantine qui avait les enfants. Les enfants sont venus dans cette maison-là. On trouvait cette maman déjà grosse. Avec déjà cette grossesse à problème.
Ce n'est pas elle qui les lavait. C'est mon frère, la Gino, qui les faisait quand moi je suis absent. Et quand c'est moi-même qui suis là, c'est très tôt matin, 5h30, ils sont debout, je m'occupe, et on se colle à Bango, pour la Tsabango, faire la bouillie de Zion, je le fais manger, je donne le céréal à l'autre, je fais le lunch, et puis voilà, je le dépose à l'école. Ce n'est pas la tantine qui lavait. La personne qui lavait les enfants, si ce n'est pas moi, c'est mon frère Junior. Donc s'il y a quelqu'un qui touchait à la partie intime, aux parties intimes des enfants, ce n'est pas la tantine, donc ça doit être moi, ça doit être Junior. Et dites-moi entre nous, où est-ce qu'on a lavé un enfant et qu'on ne l'a pas touché à ses parties intimes? J'essaie de m'imaginer, si c'était des filles, si c'était, heureusement que c'était des garçons, si c'était des filles, aujourd'hui on parlerait d'une éventuelle, c'est pas moi, d'un éventuel viol. Vous voyez ça? Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Déjà, comprenez que c'est de la manipulation comme ça, toujours et toujours été le cas. Pur et simple. C'est de la manipulation pure et simple. Et aujourd'hui, quand on doit revenir sur, Madjabou, on doit revenir sur les couples Bondo, à savoir Papa Roy et Maman Mariam, jusqu'à aller plus loin encore, diffamer ce couple. L'homme et la femme, n'a pas terme au Yobinomoro Boyoki, que je suis même incapable de répéter, c'est tellement lourd dans ma bouche. Bien-aimés frères et sœurs, promets de revenir. Reculez d'abord, reculez. On ne m'arrête pas quand je parle. S'il vous plaît, promets de revenir. Rentrez d'abord. Alors, jusqu'au point de diffamer ce couple Nabater Moubinomoro Boyoki. Bien-aimé, je vois souvent, quand nous postons même nos enfants dans les réseaux sociaux, ça et là, c'est des commentaires, ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont cultes, ainsi de suite. C'est qui ces parents-là? C'est qui cette maman-là? C'est papa-là qui va accepter voir ses enfants être insulté de cette façon-là, traité de Mongols. Je me demande. Et ceux qui ont vraiment des enfants mongols, est-ce que parce que ton enfant est mongol ou l'enfant de l'autre est mongol qu'on doit l'insulter de mongols? Et bon, ce qu'on va maman, pas parents, on va pas vraiment, réellement, pas mongol, pas olobani. Basala kini nipo babota ba mongol. En plus, il faut voir ces enfants-là qu'on insulte. Des beaux enfants comme ça. Des enfants très brillants à l'école. Du premier au cadet. D'ailleurs, papa, la maman, les parents et leur maman, que ça sont des petits génies. Du premier au cadet, traités de mongols. Pourquoi cette méchanceté? Ils sont traités des Mongols par qui? Par une autre mère. Une autre maman. Qui a aussi des enfants. Avez-vous vu ça où, s'il vous plaît? Nous sommes dans une société autocolie telle que les parents de l'autre, c'est ton... c'est pratiquement... Le papa de l'autre, c'est ton papa. La maman de l'autre, même dans la quartier, quand on rentre, bonjour papa, bonjour maman. Chez les parents, idem, c'est-à-dire l'enfant de l'autre, et c'est pratiquement ton enfant. Mais pourquoi traiter les enfants d'autrui de mongols? Alors qu'ils ne les sont même pas. Cette femme, traitée de cette façon-là, une femme respectueuse avec beaucoup de valeurs aussi, comme cette maman-là, Mariam, avec qui aujourd'hui, avec une réputation ternie comme ça. Qui peut accepter ça? Cette femme, c'est une femme au foyer.
Aza mwasi ya moutou. Elle a une belle famille. Elle a sa famille. Qui peut accepter ça, s'il vous plaît? Qui peut accepter ça? Les amis, s'il vous plaît. Vraiment? Vraiment? Oh mon Dieu. Est-ce que Péniel, en termes de valeur, elle égale cette femme? Elle arrive même à la cheville? Vraiment? En termes de valeur? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Des innocents qui n'ont rien à voir avec votre problème de couple. Et comme il y a Bango, pour quelle raison? Et comme il y a Bango, vraiment pour quelle raison? Pour quelle raison? S'il vous plaît. Ils n'ont pas été là. Tango Tobalanaka. Ils n'ont pas été là. Tango Tokabwani. Mais aujourd'hui, ils sont traités de tout. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, monsieur Roy Bondo, et je vois d'où tout ça tire, ficelle. Je sais qu'il y a des personnes derrière tout ça là qui essaient de manigancer ça et là. Vous avez vu avec beaucoup de moi personnellement, avec beaucoup de regrets, la sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité concernant. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu que ce monsieur est. Vraiment toi? Hein? C'est on t'a ouvert sa maison. Tu y allais main tendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette main qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Madjab. Pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît? Pour ce qui est de moi et Péniel, Madjab a fait quoi? Elle prétend dire qu'elle a des vérités de Madjab. Elle les a apprises quand? Ces vérités de Madjab. Pendant que nous n'étions pas ensemble, c'est-à-dire nous n'étions pas ensemble, mais elle avait tout le temps les projecteurs sur ma vie, derrière moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Moi, ça ne quitte pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, les amis. Ce n'est pas juste. Et c'est avec beaucoup de peine que je vous parle de ça. Je ne veux pas même rentrer dans les accusations gratuites et qu'on sort. Viol, le Japon aujourd'hui, qu'il y aurait eu viol à 17 ans. C'est quand je suis venu la première fois aux États-Unis ou quand je suis venu pour le mariage? Parce que je suis venu pour une fois et quand je reviens, c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur. Et quand tu es allé chez ton ami Mamoulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violons? Je ne m'attarderai même pas dessus parce que déjà, tu es en opposition avec ta propre famille. Vous savez, quand Dieu approuve le voix d'une personne, il peut susciter des témoins en ta faveur, même dans les camps adverses. Et c'est exactement ce qu'il essaie de se faire. Et si vous pensez qu'il y en a été violeur et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Et surtout qu'on est aux États-Unis, un pays de droit. Allez-y, à la justice. Où en sommes-nous avec les soi-disant photos? Où en sommes-nous avec ça?
quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les viols. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche, à droite? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je prends que vous, tu m'aurais présenté au couple Bondo et voilà. Et quelqu'un m'a même dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit, j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment? Vous croyez ça? Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo, à Kinshasa précisément, qui ne connaît pas Mike Kalambay, pour être présenté? J'ai aussi un autre ami qui chante aussi bien. Pensez-vous que c'est juste? Et le jour où je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière, quand ils se sont mariés, Bakotana, Ezali, Kambangolou, c'est quoi cette histoire? Et aujourd'hui même, qu'on s'en prend à Madjabou. Moi, je ne suis plus dans Madjabou. Je suis parti de Madjabou. J'ai déposé. Quoi de normal que de laisser cette structure évoluer calmement et comme il se doit? Où est le problème? Où est le problème, s'il vous plaît? Bon, les Ndumba, les tout ça là, oui, oui, je l'accepte, par exemple. Mais c'est quoi ça? On doit suivre les Ndumba partout comme ça. Moi, je ne t'ai jamais suivi. C'est une page, mais vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus sales. Oh là là, les amis. Vous avez tous vu quand j'ai récupéré ces enfants. Vous savez pourquoi cette garde temporaire exclusive et temporaire m'avait été octroyée? Les écoles des enfants ont parlé. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne peux pas vous montrer. Et je pense même qu'après ça, je peux poster ça. Je vais poster ça. Regardez. D'abord, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à Kinshasa parce que je ne suis pas aux États-Unis. On m'apprend que les enfants sont dans toutes les maisons de Dallas. Aujourd'hui, Bazar, le Lubiguna Bazar côté, le Biguna Bazar côté, personne pour prendre soin d'eux. Et c'est la petite soeur de la mère, de leur maman qui m'appelle. Y'a Mike, moi je dois voyager alors qu'elle ne voyageait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'est que Batikela Gabana soit disant pour une semaine. Mais après, ce n'était pas une semaine. Et quand elle vient déposer, je dis ok, dépose-moi les enfants chez Junior, je prends mon vol demain. Nuitamment, je commence à chercher un billet pour aller vers les enfants. Et quand j'arrive, avant ça, regarde comment on vient déposer les enfants chez Junior. Je dois vous montrer ça quand même. Regardez, ça c'est Chadel. Le jour où on est venu le déposer. Et derrière là-bas, c'est Zion. Où ils ont look, ils ont forme, ils ont pantalon, ils ont je ne sais pas. Et je vous dis que pendant que ça se fait, nous sommes en plein hiver. C'est vrai qu'à Dallas, il ne fait pas très, très froid, mais cette année, il a même neigé à Dallas. L'enfant vient comme ça avec un pantalon en lambeau comme ça. On met de côté. Et quand j'arrive, je vais le prendre à l'école. Regardez-moi l'enfant qui va à l'école pendant la période de l'hiver. Cette culotte, elle est trouée de devant, là-bas, ici. Et derrière, il y a un grand lit de folle. Dommage que je n'avais pas pris cette photo de derrière. Cette photo que vous avez vue, constatez le même habit. Regardez. Regardez-moi la bouche de l'enfant. Le jour où j'ai vu les enfants dans ces conditions, les amis, je n'ai pas supporté. Je vous avoue que mon avocate, c'est une femme, quand elle a vu ce photo, elle a pleuré. La juge, elle a sursauté, la greffière, quand on l'a déposée dedans, elle a regardé, elle a pleuré. Zion, lui, n'en parlons même pas, l'enfant avait un corps comme pourri. Je pèse bien les mots. Un corps comme pourri, pourri. Zion, quand tu le prends, je crois même que ce livre, il pèse. Mais il faut revenir aujourd'hui, c'est de prendre ce garçon-là. Oh, combien. C'est comme une pierre dans les bras. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Zion, c'est grave, je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas.
Regardez-moi un peu les conditions dans lesquelles les enfants dormaient. Là-bas, c'est Shaddai, sa tête est là, et là-bas, c'est Zion. Et cette photo a été prise à 4 heures du matin. Vous reconnaîtrez ce canapé, c'est le canapé dans lequel elle était en train de gémir avec son autre monsieur là, je ne sais pas qui là. Voilà. Vous allez reconnaître ce canapé, je pense. Regardez-moi ça. C'est vraiment méchant, quoi. Et si, même nous qui suivons toutes ces histoires, à un moment je me dis, mais c'est quand même grave. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on doit tout gober, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on doit tout gober. À un moment, ça en était trop, à un moment. Il y a quelqu'un qui me parlait peu avant là de Zawadi. Je vous reviendrai avec le dossier Zawadi. Le dossier Zawadi, je vais vous revenir. Ok? Je vous reviens avec le dossier Zawadi. Je regrette. J'ai appris ce matin que Zemi est longué. Pounani est longué. Nata est longué. Vous allez nous prouver qu'ils allaient quitter longué. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement il y a eu l'acte sexuel dans cette maison, d'après les images que vous avez, pourquoi il n'a même pas une seule photo? Cette première vidéo, elle filme ma maison. Elle prend même le lit. Ndeleza Yakotanda, bien normalement. De cette première à celle où je dors, où elle prend clandestinement, je vous avoue qu'il n'y a pas 10 minutes, même 15 minutes. Le moment de ce dossier viendra et je vous en parlerai. Mais pourquoi je dois arrêter? Vous faites-y d'arrêter, pourquoi? S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Peignel, si tu as, t'en prends, vous avez un mouton, s'en prend, naïe. Ce ne sont pas les innocents. Ce ne sont pas les innocents. Dommage, tu as parlé des vérités. Je croyais que tu allais vraiment nous apporter quelque chose de nouveau. Dommage que tu n'en as pas. Ça là, c'est déjà vu, déjà entendu. La vérité, Zamba est bien. Et puis, elle finira toujours par éclater un jour. Parce que vous parlez de la vérité. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Je suis en train de dire que Sosa la Batora s'en prend la bango, c'est moi, pas les innocents. Pas les innocents. Pas les innocents. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Merci beaucoup.